Jocelyne Saussier fait partie de cette poignée d'auteurs dont on attend toujours la suite. Et elle récompense notre patience avec chacune de ses parutions. Du Klondike abitibien dans Les héritiers de la mine, au grand feu du nord de l'Ontario dans l'incontournable Il pleuvait des oiseaux, adapté au cinéma par Louise Archambault, Jocelyne Saussier nous porte dans des quêtes d'idéaux et nous convie à la recherche de sentiments indicibles, bousculant inévitablement notre propre regard sur la vie. Enrichie par son goût du mot juste, son répertoire lui a permis de se tailler une place parmi les grandes figures de la littérature québécoise. J'ai, pendant de très nombreuses années, écrit sans être publiée et pendant de très nombreuses années, publié avec un tout petit succès d'estime et donc sans reconnaissance publique. Et je croyais que je n'avais pas besoin de reconnaissance parce que j'avais toujours écrit sans reconnaissance. Puis est arrivé le succès des oiseaux et j'ai senti un grand réconfort. Donc, j'ai su que la reconnaissance publique, c'est le réconfort que ça donne. Mais ici, il ne s'agit pas de reconnaissance. Ici, il s'agit d'appartenance. On vient de me dire que j'appartiens au Québec en tant qu'écrivaine. Et ça, c'est beaucoup. J'aime plonger dans l'imaginaire d'abord. Et moi, j'ai besoin de vivre d'autres vies que la mienne. Ma vie ne me suffit pas. J'ai besoin de vivre d'autres vies que la mienne. Et ça grandit ma vie à moi. J'aime la prose, j'aime la phrase, j'aime me battre avec une virgule. J'aime plus écrire qu'avoir écrit. Bien souvent, on me parle de mes livres et j'ai l'impression que le livre qu'ils ont lu est meilleur que celui que j'ai écrit. C'est magnifique de voir ce que devient un livre dans l'imaginaire de quelqu'un d'autre.